Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus, et nous voilà partis sur Blood Bowl, dans la Champion Ladder avec nos salamandres. Il y avait une attente à 250 secondes, donc je vous épargnerai ça, on va faire un petit point sur l'effectif. C'est un match de récupération, il nous manque un Saurus, fort heureusement c'est le seul Saurus qui n'a pas d'expérience et pas de compétences. On a réussi à débloquer la compétence blocage partout. Et on aura un skink de moins, pareil, un skink sans expérience. Donc au final, avec nos deux remplaçants de plus, ça va pas trop nous impacter. On va pas avoir de remplaçants, mais on n'aura pas de solitaire. Donc voilà. Oui, j'ai fait le dernier match, c'était un match commenté vu que j'avais oublié un des matchs. Et d'un point de vue classement, donc là on est en 5-3-3. Donc on va essayer de continuer et continuer à gagner des matchs avec de la chance. Je vais vous épargner l'attente. Je relance l'enregistrement dès qu'on a trouvé un adversaire. Hop, alors, on va tomber contre des nains à 980 de TV, c'est très peu. C'est très très peu. Pas de passage de niveau. Oula, il va avoir énormément de coups vicieux, 430 de porte-monnaie. Ça c'est le problème, quand il y a un très gros écart entre les équipes, le porte-monnaie fait toute la différence. Il peut prendre des héros, il peut prendre comment ça s'appelle? Un magicien, des relances supplémentaires. Il peut prendre vraiment énormément de choses pour nous mettre des bâtons dans la roue. Deux tueurs de trolls, deux blitzers, un coureur. Si on s'occupe de lui, il aura un peu plus de difficulté à jouer la balle. Il a que 8 d'armure, pourquoi pas. Il a fait une victoire. D'accord. On va bien voir qu'est-ce qu'il va prendre. Qu'est-ce qu'il va choisir? Avec son porte-monnaie. Alors je suis toujours pas dans ma demeure. Donc il risque d'avoir un moment où il va y avoir du passage derrière moi et je risque de parler avec d'autres personnes. J'essaierai de couper le micro à ce moment-là. Mais si je me fais surprendre et que vous entendez des bruits, je m'en excuse à l'avance. Et j'essaierai de rendre ça le moins pénible possible. Et surtout, je vais essayer de rester concentré sur le match. C'est un match de récup, mine de rien. Et les nains. Pour nos skinks, c'est une vraie plaie. Chaque nain sur chaque skink, ça peut être vraiment compliqué. Et en plus, il a des problèmes de connexion. Ok, non, c'est bon, il est revenu. Donc le sorcier, donc on aura un skink qui va se faire claquer le beignet quand il aura la balle. C'est à peu près joué d'avance. Après 280, un pot de vin, donc il va piétiner. Ouais, ça me fait un peu moins peur. Je vais essayer. Faudrait que j'essaye de rester debout. Normalement, ceux qui vont bâcher sont les Saurus et grâce à leur compétence blocage, ils prennent Flint. Plus une serveuse, je suppose. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que fait Flint. Flint et Blame. Je me souviens plus de ces deux héros. On va voir leurs compétences. Alors on va jouer à domicile. On est toujours en attente. Donc ok, Flint, oui c'est une tronceau. Ça c'est pas cool. Et un bombardier. D'accord. Des nains qui emploient des gobelins. C'est original. Mister Goblins pour le toss. On va recevoir le ballon en attaque. On va afficher nos compétences secondaires. Alors, si on arrive à jouer à la skink. Alors, on va voir. Si jamais il met ses deux armes secrètes sur le terrain, on marquera en deux tours. On essaiera de marquer en deux tours, bien sûr. Hein. On n'est pas à l'abri de pas y arriver, mais on essaiera de marquer en deux tours. S'il ne met pas ses deux armes secrètes sur le terrain, on fera durer le plaisir pour qu'il joue qu'au tour 8 et qu'il soit obligé de claquer une corruption. Ah, remarque, non, il pourrait peut-être tomber. Il faudrait que je lui sorte au moins deux personnes en jouant lentement. Bon, on va voir.
Ok, on est à 3 minutes, il s'est reconnecté. Nidusking avec 3 de force et Notsorus avec 5 de force, ça nous permet quand même de compenser la perte de notre la perte de Notsorus comparé à une équipe de base. Ok, il met son solitaire dehors, il met une longue barbe dehors et il fait jouer a priori ses. Ah non, c'est le placement choisi par défaut. On va voir comment ça se joue. Il faut que je mette deux skinks en position de marque, ça serait le top du top. Comme ça, même s'il décide de foudroyer l'un des deux, il suffit que je fasse une transmission à l'autre. Une course avec quelques esquives. Non, ok, d'accord, il va garder son. Une de ses armes secrètes en retrait. C'est vrai que les bombes peuvent faire très très mal. Hein. Il a 2 d'AG. Ah. Il a 9 d'armure, punaise. Avec ça, il peut me ruiner mon équipe. Hein. Il lance une bombe au milieu de un Saurus de Skink. Si la bombe arrive au bon endroit, c'est fini. Hein. Je me fais. Les Skinks se finiront au sol ou blessés. Et s'il fait ça plusieurs tours de suite, c'est possible que même mes. Comment ça s'appelle? Que même mes Saurus finissent par tomber. Enfin, qu'on aille le choper assez vite. Il faudrait qu'on chope son dextérité aussi. On a plein de choses à faire. Bon, de toute façon, c'est les dés qui décideront de comment ça se passe, clairement. Il faut faire attention aux frénésies qui peuvent nous emmener dehors. Hein. Frénésie, intrépidité. Les Saurus ne sont pas un problème pour les tueurs de trolls. Le Crox non plus. Défense aérée. Ok. Ouais, il protège bien son arme secrète. C'est plutôt bien joué de sa part. Il laisse un blitzer à l'arrière. Ok. J'ai un passage jusqu'à son coureur. J'ai un passage jusqu'à son coureur. On peut peut-être venir essayer de lui appliquer une petite châtaigne. Pour le plus grand plaisir de notre Crox. Si jamais il décide de pas faire de cerf-volant sur son premier tour, bien sûr. Non, ok. Il me laisse un passage au centre. C'est pas vraiment ça qu'on a envie d'utiliser. On va essayer de venir blitzer son blitzer. On va utiliser notre 5 de force. On va venir mettre un tacle sur la. Sur comment ça s'appelle? On va essayer de venir mettre un tacle sur le. Quoi, un tacle? Une zone de. Je vais y arriver. Une zone de tacle sur son champion. Pour l'éviter qu'il lance des bombes. S'il peut pas lancer de bombes, son champion sert à rien. Et avec 6 de mouvement, je peux me rapatrier avec mon Croxigore assez facilement. Allez, on valide le placement. Ok, un petit entraînement qui passe, parfait. J'ai une zone. J'ai une défense sur la balle, de toute façon il est beaucoup trop loin pour venir me la chercher. On va commencer gentiment. On arrive à le toucher. Je reste où je suis. Voilà. Notre 5 de force sur son champion. On va venir marquer la personne qui est au sol. Comme ça, si jamais il se relève, on pourra venir l'attraper. On va essayer de venir faire tomber sa ligne d'avant. On repousse sur la gauche. Ça n'a pas beaucoup de mobilité, un nain. On essaye de renforcer ça en les éloignant de la zone de la balle. Ok, on arrive à toucher. On poursuit. On poursuivra pas le dernier. Parfait, on arrive à l'allonger en plus. On reste où on est. On va venir mettre le Crox. On va venir mettre le Crox ici. Parfait.
Les nains qui sont à gauche vont devoir courir pour pouvoir apporter une zone. Je vais mettre mon 6 d'armure ici. Si j'arrive à ramasser la balle, je vais essayer de me caler plutôt au centre. Et je mettrai une défense sur la droite pour éviter le tueur nain. Peut-être pas avec, no si avec notre hand force. Allez. Le ramassage est un succès, c'est parfait. On a une défense qui est aérée. On va venir mettre un 3 de force ici. 3. Ils ont 6 ou 5. 5. Ils pourraient venir me chercher en double contact le 3 de force. Et si jamais il fait ça, on va lui faire un petit piège à Frenzy. Il aura un bloc à moins 2 dés derrière. Là, il aurait qu'un bloc à 1 dé sur le 3 de force. La défense est en place, en plus c'est mon bon. Je lui laisse une boule de feu ici. J'ai deux skins qui se sont écartés exprès. Comme ça je peux toujours ramasser avec mon bon. On va voir comment il gère ça. Normalement il n'a pas des blocs faciles parce que j'ai de la garde qui sont posées. C'est les 5 de force aussi qui sont posés sur ses joueurs. Donc il va sûrement venir me coller. Là, le but, ça va être de libérer notre tacleur, d'ouvrir un chemin en haut, d'ouvrir le passage ici, et avec le tacleur, de venir blitzer ce qu'il va pouvoir mettre par ici, ou alors de venir marquer ce qu'il va essayer de rapprocher pour défendre, du genre son 6 de mobilité, son seul 6 de mobilité. Infiltrer nos 3 skinks avec suffisamment d'écart pour que la boule de feu ne puisse en atteindre qu'un seul. Ouais, comme ça, on l'oblige à utiliser son éclair. On marque. Il sera obligé d'utiliser son pot de vin s'il veut conserver blâme. S'il ne peut pas conserver blâme, c'est pas grave. Il utilisera sa tronçonneuse et il utilisera son pot de vin pour la tronçonneuse. Dans ce cas-là, nous on essaiera de la faire tomber. Elle absorbera beaucoup de blocs. En général, c'est ce qu'on veut, hein. C'est comme ça que moi je l'utilise. Bon, là il n'y a pas grand-chose d'autre à commenter. Il va être rapatrié tout le monde, il devrait essayer peut-être d'infiltrer un blitzer voilà, derrière pour commencer à coller les skinks à l'arrière. Histoire de mettre des baffes aux skinks de temps en temps. Bon, s'il met que le blitzer, vu qu'il a pas de tacle, je tenterai l'esquive, hein, je me poserai même pas la question. Hop là, ouais, il commence à rapatrier ses joueurs dans l'axe de la balle. Faut faire attention aux nains parce qu'une fois qu'ils ont réussi à empêtrer une défense, ils sont indélogeables. Ok, il veut tenter l'intrépide. Ça lui ferait quand même un bloc à moins 2 dés. Non, un bloc 1 dés. Ah, l'intrépide a échoué, ça c'est parfait. On va utiliser le bloc, sauf s'il relance. J'ai point qu'il me repousse. Parce que là, franchement, son blâme me gêne. Et voilà, ça coupe l'intrépidité. Là, s'il échoue, il peut sécher notre Saurus, qui est comme un 5 de force, avec le risque de juste sécher son longue barbe. Sachant qu'il a une chance sur deux de, a priori, réussir la passe. Avec la relance, ça ferait 75%, il peut me faire tomber les 3 à skink. C'est pour ça que j'en ai essayé 2 en arrière, quand même. Là, lui, il va être un peu loin, par contre. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ça peut se faire. Ok. On tente l'interception. Il loupe. En plus il fait un 1. Il s'éclate la tronche. Il se sonne. Oh non. Ok. Il met tout le monde au sol.
n'y a pas eu de blessure, il n'y a que lui qui est sonné, c'est très bien. On relève le 5 de force, ça l'occupera un petit peu. Ok, là je vais pouvoir l'atteindre plus facilement quand même. On repousse, on poursuit. On se libère des joueurs. On tente le cerf-volant. Il passe pas. Dommage. On va venir écarter lui. On arrive à le mettre au sol. Je vais poursuivre. Voilà. Ok, lui il peut aller un petit peu partout. Et il a un peu de chemin. Je vais venir là. Il pourra utiliser son éclair sur le skink à ce moment-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le gêner. En plus, j'ai une glissade contrôlée, donc là, ça va être vraiment gênant pour lui. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer. Ouais, là, il aura une boule de feu sur deux personnes. On infiltre nos skinks. Et on rapproche l'autre au maximum. Ouais, on va marquer celui qui est au sol ici pour éviter les petites blagues. On a deux blocs de faisables. On va bloquer d'abord le plus loin de la balle vu que ça m'impactera pas. On repousse juste. On poursuit. J'ai ces deux skinks en position de marquer, sachant que la boule de feu ne fera pas s'il peut sécher les trois. Merde, je suis mal placé. Là, c'est une erreur de ma part. Faut juste espérer que ça ne passe pas. Je reste où je suis. On va éviter les surfs intempestifs. Fin du tour. Il peut lancer une boule de feu ici pour sécher les trois. Je l'aurais d'abord fait avant de déplacer qui que ce soit. Comme ça, avec lui, il pourrait se rapprocher de la balle si jamais l'arme va me tomber les trois skinks. Vu cette armure, ça tombe facilement. On va peut-être sacrifier notre set de mouvement là, si jamais il se prend un blitz. Ouais, avec la glissade contrôlée, le but ça va être de venir marquer son coureur. Ou au moins de gêner avec son cadavre. Hop. Parfait, il me repousse. Je lui offre un bloc supplémentaire, je le sais. Hop là. Mais au moins il ne pourra pas se déplacer avec lui. Et il ne pourra pas venir marquer... Il peut prendre le double KO. Hein. Il a l'avantage sur l'armure. Ça peut valoir le coup, mais ça veut dire qu'il peut pas lancer son éclair. Et moi, ça me conviendrait parfaitement. Ah, il le prend, c'est parfait. Son armure passe. Alors là, c'est la question éternelle, lui. Est-ce que je tente un bloc ou deux? Mais je pense pas qu'on va les tenter, les blocs ou deux. On va juste venir marquer. Hop là. On va venir lui mettre la pression si on peut sur son attaque. On va voir s'il utilise sa corruption ou pas. S'il utilise sa corruption, c'est-à-dire que la deuxième mi-temps, on sera tranquille. S'il n'utilise pas sa corruption, au moins il aura perdu une partie de son indus, il aura même pas pu lancer une balle. Il n'utilise pas, ok, une partie de son indus a été absorbée. On va se mettre en défense. Comme ceci. Passage au niveau sur notre 1 de force. On va avoir notre joueur sournois, je pense. Très sournois. Non, on va le mettre ici. Comme ça, s'il vient blitzer, il sera obligé de venir blitzer au centre. Normalement, il ne pourra pas blitzer. Il n'aura jamais la mobilité pour. Bon, 1 de force, il est là. Ça serait bien qu'on se le fasse expulser, limite. Et il a toujours son pot de vin, faut pas l'oublier. S'il nous met au sol, ça peut être dangereux, très dangereux pour nous.
Il aura des blocs à 2D avec ses deux intrépides sur quoi? Il aura un bloc à 2D sur ce Saurus s'il arrive à faire tiquer l'intrépidité. Ok, il met la tronçonneuse, donc là il va commencer à défoyer. Il va falloir qu'on lui sèche sa tronçonneuse ou alors qu'il a un mauvais jet de dé avec. Ça va être très important. Monsieur Archibaldovic. Autrement, il peut refuser la confrontation. C'est un peu dommage pour un nain parce que c'est sa grande force. Il peut coller les joueurs et tenter de débloquer un dé à répétition grâce à sa compétence bloc. Sachant que mon Croxigore est sensible à ça, il n'a pas de blocage. Sachant que la prochaine compétence sur le Croxigore, s'il ne fait pas de double ou de compétence spéciale, je pense que je prendrai l'esquive en force. Ça me permettrait de me dégager des corps à corps un peu gênants et d'aller me mettre poser ma garde stabilité dans des endroits plus embêtants pour l'adversaire. Sachant qu'une esquive avec un 5, l'équivalent d'un 5 d'agilité, c'est toujours intéressant. Et si jamais j'arrive à avoir un blitz, je ne sais pas comment, mais si j'y arrive, je mettrai un blitz sur sa tronçonneuse. Parce que là, en fait, il va utiliser sa tronçonneuse en première intention. Et il aura son blitz de disponible autre part. Et ça, c'est gênant pour moi. J'espère qu'il va l'échouer son coup de tronçonneuse ou alors qu'il se. Encore mieux, hein, il fasse un 1 et qu'il se la mange dans la tronche. Ça serait parfait. Faut chercher le KO là sur la tronçonneuse, comme ça on sera tranquille pour ce drive. Et il sera obligé d'utiliser. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, à la fin de ce drive, il sera obligé d'utiliser sa corruption. Et là, le but, ça va être d'essayer de faire un passage. Alors, je sais pas où, mais ouvrir quelque part pour que mes skinks s'infiltrent. Il n'a pas beaucoup de mobilité. Et qu'on arrive à venir très gênant très vite. Parce que s'il fait ce placement-là, il n'aura personne pour venir défendre son porteur de balle. Et moi, avec mes 8 de mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je peux venir jusqu'à la ligne des 14 avec mon plus rapide sans aucun GFI. Si je trouve une ligne directe. Et pour ça, il faut que la Lost tienne. Il va me faire ça sur mon 5 de force. Ok. Swat. Ok, il peut venir même engager les deuxièmes lignes. Ça, c'est une bonne chose. Comme ça lui permet de tomber mes deuxièmes lignes assez facilement et d'ouvrir un passage sur ma ligne de skink. Ça peut valoir le coup. Si le ballon se rapproche de moi et qu'il fait un mauvais jet de dé, alors qu'il loupe des intrépidités ou que la tronçonneuse se s'auto-blesse ou ce genre de choses, et qu'il relance et que la relance ne suffit pas, je peux ramasser le ballon. Avec beaucoup de jets, mais ça peut être faisable. Ok, dispersion vers moi. C'est une bonne chose pour lui, il a moins de distance à parcourir pour venir rejoindre sa cage s'il souhaite le faire. Il me repousse pour avoir le blocage, pour avoir un deuxième bloc derrière. C'est une bonne idée. Et là il me couche. Bon. Le problème c'est qu'il est passé de 4 blocs à 5 blocs grâce à la surprise. Et qu'il a des tacleurs qui peuvent venir chatouiller mes skinks. Mais pour ça il va être obligé d'en coller un autre pour couper les supports. C'est sur ça que je compte. Ok, il se tente le Croxy et il me le blesse. Waouh! Waouh!
Je vais relancer le. Je peux pas me permettre d'avoir le croxy de blessé. Hein. Pas de blessure. Bon, on va avoir un déficit de force. Mais bon, le croxy pourra revenir au moins. Ok, là ça va devenir vraiment gênant. Par contre, il peut me blesser tout le monde après. Hein. Ça, c'est la force des équipes naines. Ok, l'intrépidité ne tique pas, c'est déjà ça. Il aurait fait un 3D sinon? Oh, je sais pas. Là, le coup de tronçon, il a rentabilisé son Indus parce que Flint coûte beaucoup moins cher que le Crox. Et il m'a consommé mon apothicaire. Bon, c'est que 50K, mais c'est quand même 50K, mine de rien. Si je coupe ses supports, je pourrais aller chercher peut-être un bloc à 1D avec mon skin à 3 de force avec une petite esquive. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Bloc à 2D naturel. Ça va être facile. Ah bah non, mais non, j'ai même mon Saurus qui prévenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bloc à 2D avec un GFI, ça se tente. Hein. Ou encore mieux, le bloc direct avec le Saurus à 5 de force. Bon, il nous a plié toute la losse. Toute la ligne de front. Faut espérer que les armures tiennent parce que si on perd l'avantage en force contre les nains, le match va être très très long. Ok. Il a fait un gros pâté. J'aime les gros pâtés. Ça permet de faire des push-push de l'enfer. Ah, le tacle sur mon 3 de force. Allez. Je sens qu'il y a du bruit. Je couperai peut-être le micro là pour les quelques minutes qui viennent. Je m'en excuse à l'avance. Bon, avantage pour moi, il n'y a pas eu d'armure de passer à part le cross qu'on a réussi à récupérer. Je peux ouvrir un passage ici. Sur ce blitzer là avec ce Saurus. Si jamais il n'arrive pas à ramasser la balle. Infiltrer mes skinks et venir mettre 3-4 personnes sur cette zone là. Tout en engluant tout le reste. Il passera les armures au final parce qu'il pourra mettre des frappes à répétition sur mes armes 9 d'armure, mais c'est pas grave. L'agression à 83%. Ouh! Il va peut-être nous virer nos 2-5 de force d'un coup. Ouf, juste une sonnette. Ok. Parfait. Plus de pot de vin pour lui. On va pouvoir venir coller son porteur de balles. Et écarte-toi encore un petit peu s'il te plaît. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais pouvoir le coller. Va falloir qu'il ramène son. Qu'il ramène son guerrier nain par ici et l'autre à côté. Ok. On glissera pas avec toi. On blitzera pas avec toi, on tentera l'esquive avec notre 3 de force. On va blitz avec toi par contre. Je relance ça, le double KO ne me convient pas. Je vais poursuivre. Ok, parfait. Et une personne sur la balle. Bon, il a que 1 de force, mais il est sur la balle. Deux personnes sur la balle avec un GFI. Je vais infiltrer un skink à droite. Avec le bon. Ouais. On va infiltrer deux skinks à droite. Il a toujours son sorcier, hein, faut que je garde ça en tête.
Il y aura une esquive ici. Je garde mon Saurus à l'arrière au cas où, pour avoir un Saurus de dispo. Je tente le GFI, je tenterai l'esquive en dernier, avec mon 3 de force. L'esquive passe, c'est parfait. Hop, je tente l'esquive. Fin de tour, ça me paraît bien. Il a plein d'opportunités. Il faudrait qu'il mette ce longue barbe ici. Et qu'il arrive à blitzer en diagonale pour pouvoir éventuellement repousser les skinks. Et là normalement je le force avec cette conformation là, je le forcerai à partir plutôt vers la droite parce que les 3 skinks à droite, c'est quelque chose qui peut devenir très gênant pour lui. Là j'aurais peut-être pas dû coller mon skink ici, mais au moins ça coupe la mobilité sur un de ses longues barbes. Et avec de la chance, il n'apportera pas de support parce qu'il va être occupé à essayer de se dégager le porteur de balles. S'il apporte pas de support, je pourrais peut-être m'en dépatouiller un peu plus tard. Là il a un bloc à 2D sur le naturel sur le Saurus avec son intrépide. Et il presse libérer deux joueurs, dont la tronçonneuse. Ou alors il tente directement la tronçonneuse sur le Saurus et il peut se libérer un joueur. Il se libère deux joueurs, c'est plutôt smart. Par contre là le bloc va être moins intéressant pour lui. Intrépidité qui ne tique pas. Ok, il me repousse. C'est un résultat qui est pas mauvais. Ah, si on avait pu choper un crâne là sur ce frenzy, le match aurait eu une autre physionomie derrière. On aurait apporté un support, bloc à 2D. On aurait apporté un autre support si on avait loupé le premier, bloc à 2D aussi avec le 1 de force. Ramasser la balle, courir. Marquer un touchdown rapidement avec un support parce qu'il aurait claqué sans la foudre normalement. Ok, c'est parti. Sur notre glisse à le contrôler. Ça touche fort. L'armure tient pour l'instant, parfait. Et là il peut venir faire un blitz facilement, 1, 2, 3, 4, 5. Bloc à 3D, très bien. L'esquive qui tique. Il se libère. Donc là il va falloir qu'il mette une cage en place autour de son porteur de balle. Et là à sa place moi j'utiliserai Flint pour venir blitzer sur mon bon. Le glissade contrôlé bon. Ok, ou aussi de virer le 5 de force. Pourquoi pas. Mais le blitz avec la tronçonneuse est vachement plus intéressant. Surtout sur un set d'armure il craquera facilement. Beaucoup de gens ont tendance à l'utiliser sur les très grosses armures mais ça vaut pas le coup. Sachant que si firme mes skink, on l'a vu à plusieurs reprises, hein, sans skink on joue pas à la balle. Ok, il met en place sa cage, c'est très bien. Ouh, ça touche. Mince. Il a raison de le tenter, un bloqueur contre un non-bloqueur. Hop là. C'est bon. On a quand même de la mobilité, on va pouvoir revenir l'embêter assez facilement. On va peut-être pas se coller systématiquement à lui, mais... Parfait. On coupe la frenzy. On va pouvoir relever lui, on aura du bloc à 2D ici. Oh, punaise. Là, les blocs à 1D, c'est tellement frustrant contre les équipes naines.
Voilà, surtout quand ça fait des pots comme ça. Ah, après il a fait des 1 et des 2 donc bon, je vais pas, faut pas que je me plaigne. C'est vraiment contraignant. Hein. Allez, on blistera pas avec toi, on blistera sûrement avec le Saurus qui est encore debout. Hop. Il y a un petit peu de monde, donc je suis désolé si vous entendez des bruits de voix derrière. Ne vous en formalisez pas. Je suis en train de réfléchir intensément là. Ça m'arrive pas souvent, mais bon, de temps en temps, ça m'arrive. On va peut-être se tenter un bloc à 1D sur le. Sur lui. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer ou de l'obliger à l'utiliser en blitz? On a un bloc à moins 2D ici. On va peut-être le. Ah. On va frapper les 8 d'armure d'abord. On gênera pas trop les courses. Voilà. Là, faut lui blesser là. On poursuit. Dommage. Dommage, dommage. On frappe les 8 d'armure. Allez, blitz à 2D. Même si la défense reste comme ça, c'est pas trop gênant. On le repousse juste. On reste où on est. On s'écarte un petit peu. Voilà. On relance. 6 armures, je crois que l'armure passe là-dessus. Hop, je vais tenter l'esquive ici et après je couperai le micro pour une petite minute. C'est bon. L'avantage c'est qu'on a des Zonosaurus qui sont plutôt disponibles en bas, donc il va être obligé de venir les marquer. Ça va m'offrir un tour de bâche, au moins sur les deux Saurus où il y a personne au contact. J'ai les Skinks qui peuvent courir très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, courir vraiment très très vite. Ok, il va essayer d'allonger celui-là. Bloc à 2D. Faut espérer. Ouais, après. Le fait qu'il ait le sorcier 4 lances, ça lui assure quand même un peu. Il faut qu'on sorte de notre drive sans prendre de touchdown. Si on a un 0 et que c'est à lui d'attaquer, ça pourrait le faire. Il aura plus sa tronçonneuse. Ça sera beaucoup plus facile pour nous. Que là, mine de rien, la tronçonneuse, on est obligé de la garder à l'esprit en permanence. Et il nous manque le Croxigore. Hein. C'est vrai que là, avec le Croxigore, ça nous aurait apporté un pilier central du tonnerre. Au moins, il ne sera pas blessé plus. Il est dehors, il est protégé. Ah, la tronçonneuse qui échoue. Vas-y, fais solitaire, je t'en supplie. Parfait. Oh, il n'est pas tombé. Ah, il a loupé sa propre armure. D'accord, je sais pas qu'on faisait un jet d'armure pour le porteur de la tronçonneuse. Bon, au moins, il a grillé son blitz. Mes skinks sont hors de portée. Et par contre, ça, faire ça, c'est risqué. Hein. J'ai juste
à bloquer ici à 2D. Ouais, lui il va se prendre un bloc, hein. Je me pose même pas la question. Il va se prendre un bloc. Et 1, 2, 3, 4. Il pourra pas complètement fermer le passage. Je pourrais avoir un bloc à 1D facilement sur lui. Mais par contre, il va falloir qu'il se décale. Hein. Ça va être important. 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'il marque pas celui-là, il va marquer celui-là, je suppose. Ouais, là, il s'est mis dans une situation un peu pénible. Allez, joue, mon ami, joue. Montre-moi de belles choses. Perfect. S'il vient là, je coupe les supports de ces deux-là et avec mon Saurus, je passe sur cette case pour venir le blitzer. Si jamais il vient me marquer ici. Voilà. Oula. Ouais, non, ici c'est beaucoup plus smart de sa part. Il a encore lui. Je peux me retrouver au contact avec ce Saurus, couper les supports avec celui-là. Le bloc à 1D qui passe. C'est frustrant, c'est très frustrant. Faut que les armures tiennent. Parce que s'il se fait récompenser sur des blocs 1D en passage d'armure, le match va être injouable pour moi sur du plus long terme. La bloc à moins 2, il le tente pas, c'est très bien. Alors. Peut mettre du monde sur la balle. Alors déjà on va relever lui. Le double bloc, on va le prendre. Il a un tueur qui est libre, mais bon, c'est pas grave, je suis obligé de faire cette concession là. On commence à frapper ses 8 d'armure. Hein. On le repousse, c'est ce qu'on veut. On le repousse ici. On reste où on est. Poursuit. Parfait, sonnette. Au moins là, au tour prochain, on s'inquiétera plus de sa tronçonneuse. Je suis un peu loin avec lui pour tenter un. Ah, quoique, une petite esquive, pourquoi pas. On va venir placer ça. On va tenter le bloc à 1D là, je pense. Ça me paraît une bonne idée. Voilà. On vient gêner son tueur de troll pour pas qu'il vienne se balader partout. Oh, l'esquive ne passe pas. Elle est relançable ou pas? Elle est relançable. Je tente de la relancer. Bloc à 1D. On le repousse juste. On poursuit. Voilà. Et on va commencer à se rapatrier avec l'autre. Donc là, il est bien. Il est au chaud. Il a 3 personnes sur lui. Ils sont tous marqués, certes. Et j'ai deux skins qui peuvent courir. Trois skins qui peuvent courir. Le but c'est qu'on l'empêtre. Notre pauvre skin qui a un de force que je mets toujours au contact pour qu'il se fasse tuer sur le long terme. C'est pas beau de jouer comme ça en tant que coach. Mais bon, il est un peu lent d'esprit, il s'en est pas encore rendu compte, il a rien dit, on continue. Je pense que le premier coup qui lui a enlevé le point de force a cogné un peu trop dur la caboche et...
C'est ce qui l'a rendu un peu lent. Vous devriez les voir quand ils s'entraînent avec le Crocs, parfois tous les deux, ils passent 2 heures à se regarder en bavant. Très instructif. Alors. Et en plus là, l'avantage, c'est qu'on a quand même une zone ici qui permettrait de mettre un... Si ça reste exactement dans cette conformation là, je sais pas pour quelle raison, mais que ça bouge pas énormément. Celui-là a toujours une zone de tacle de disponible pour venir apporter un support et même faire un blitz à un dé avec un skink à 2 de force. Là, ce qu'il devrait faire, c'est bloquer avec lui sur mon... Ah oui, mais il a pas de support. Oui. Avec lui, il bloque mon 1 de force, il le vire. Avec lui, il bloque à 2 dés. Mon 3 de force, il repousse sur le porteur de balles. Ok. S'il fait tomber son 1, oh, c'est un turnover pour lui. Ah non, c'est le premier truc qu'il utilise dans le tour, c'est-à-dire il a le droit. Ça me va. Ça, c'était un cuisant échec. Donc il a absorbé une grosse partie de son indus, et j'aurais pas à me soucier de ça pour la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, oui, aussi pour la troisième mi-temps, parce que bon, les nains sont un peu revanchards parfois quand on est au bar. Parce que la buvette, ça les connaît. Mais pour la deuxième mi-temps. Parfait. Et le crâne. Ah, ça touche sur le deuxième. Il a plus de relance pour ce tour-ci. Faut espérer qu'il refasse un autre échec. Ok. UA de la Viper. Ouais, c'est un Jackie Tuning celui-là. Il aime beaucoup les voitures. Bloquer un dé ici. Bloquer un dé là. Statu quo. Il a toujours son biseau disponible avec un de ses intrépides. Quoi, statu quo, ça serait débloqué à moins 2 dés. Hein. Limite, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il arrive à. Il blitz ici. Ouais, mais même en faisant ça, il blitz ici, il fait tiquer l'intrépidité, il le repousse sur l'autre. Et en fait, il se dégage une. S'il arrive à le sécher, il se dégage un support pour faire un bloc à 2 dés ici. Éventuellement. Il serait marqué que plus que par une seule personne. Après, il n'a pas bloc, mais tenter. Ouais, remarque. Ouais. Tenter ce bloc-là, c'est risqué. L'avantage là, c'est que j'ai 2 personnes qui peuvent le frapper. Et je vous promets que si ça reste comme ça, les deux vont le frapper. Hein. S'il tombe pas là au premier coup, bien sûr. Il apporte un support sur ce Saurus, donc il aura un bloc à 1D quelque part. Ou un bloc à 2D s'il vient blitzer avec le tueur de troll. Ce qui pourrait être une très bonne idée. Ok, il tenterait bloc à 1D. Parfait. Lui restera immobile et je suis sûr que ce Saurus restera sur le porteur de balles. Oh, c'est couillu de faire ça. Ça me va. On va mettre notre 1 en position de marquer, comme ça si jamais je ne sais pas comment j'arrive à récupérer la balle. Bon bah parfait, hein, ça me fera... À moi de jouer ? Allez. UA de la Viper, non. Notre 1 de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a un qui est en position d'aller marquer. Je peux éventuellement ramasser avec celui qui est au sol. Mais non, on va mettre une défense au moins aérée. On ramassera avec celui-là ou avec celui-là. Allez, s'il vous plaît. Parfait. La sonnette. Aucune zone de tacle sur la balle. Poursuit. Ouais, là si on a l'opportunité on va bâcher à mort là. Ah bon, une sonnette. Ça fait au moins ça. Je suis pas forcément là pour blesser son équipe, hein. Loin de là. Mais ça fait quand même plaisir là qu'on en met une ou deux mandales. Un peu appuyé,
Poursuit. Voilà ce que j'ai envie de tenter, c'est ça, ça, la transmission. Déjà, on va essayer de faire l'esquive ramassage. On va faire la transmission. On a une relance. Parfait. Je me mets en position d'aller marquer. Il faudra qu'il tente une esquive pour venir me chercher. Tour 7. Je peux marquer 2 touchdowns. Il lui manque... Il s'est fait renvoyer une de ses armes secrètes. Il a déjà utilisé son... Comment ça s'appelle ? Son pot de vin sur une agression qui a échoué. Qui a fait qu'une sonnette. Et en plus de ça, il a utilisé son sorcier. Donc là, il a a priori quasiment utilisé tout son indus. S'il veut le rentabiliser, son indus, faut qu'il fasse un blitz avec la tronçonneuse et qu'il me blesse quelqu'un. Un de mes saurus. Il y a lui qui est en position d'aller me le blitzer avec 2 GFI et lui le marquer. Là faut qu'il bâche et qu'il espère que mes armures craquent pour que même si je marque mon deuxième touchdown, il a un avantage tellement gros qu'en deuxième mi-temps je me fasse écraser. L'avantage en fait dans les confrontations entre des équipes avec beaucoup de compétences, donc une grosse valeur d'équipe contre ceux qui en ont peu, c'est que s'ils utilisent tout leur indus, ok ils se le tentent, loupe ton esquive s'il te plaît. Au pire il marquera pas, c'est déjà ça, on aura tout quand même le 1-0, il aura plus d'indus, c'est ce qu'il faut garder en tête, comment ça s'appelle. L'avantage que lui il a, c'est qu'il a énormément de coups vicieux, donc il peut se permettre de prendre un très gros avantage grâce à ça. Avoir des... prendre la tronçonneuse justement, le sorcier, ce genre de truc, il peut donner un avantage ponctuel tellement énorme que c'est bon. Par contre, il n'arrive pas à faire fructifier cet avantage, une fois qu'il a utilisé son indus, c'est fini pour... Quoi, c'est fini pour lui. J'ai un très très gros avantage. Parce que tous mes joueurs ont beaucoup de compétences, ils ont la force. Ça va devenir beaucoup plus dur pour lui de me gérer. Oh, ça passe. Il a la relance en plus. Il va pouvoir relancer son GFI. Ça passe. Le bloc à 2D. Et bloc. Dommage. Il va pouvoir me faire tomber au sol. S'il arrive à ne pas me blesser et que la balle est au sol, je peux tenter un ramassage. Non. Je peux... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Passe. Non. Mais bon. Il n'est pas en mesure d'aller marquer. On va lui arranger une ou deux personnes, je pense. C'est là où on veut voir sortir les crânes, hein, sur des blocs à 1D. Il se libère un joueur. Il va venir faire des GFI peut-être pour se mettre sur la balle en protection. Elle est tellement loin. Si je veux marquer, il faut que je le mette dans la ligne de touchdown. Que je cours, que je fasse mes GFI, que je ramasse la balle. Les deux GFI que j'en ai à sa balle et que je réussisse une passe longue, sachant qu'ils ont minus. Hein. En gros, ça demande du 5 et du 6. Ça pourrait être marrant. Je vais faire mes blocs et on va tenter. Pour le plaisir du jeu. Du beau jeu. Oh punaise. S'il reste quelqu'un à contrer, bien sûr. Au moins, les armures passent pas. Et a priori, mon drive sera un succès. Oh, punaise. Au moins il a pas de châtaigne, c'est déjà ça. La double mise de paquet. C'est pas con ça. Voilà, pour faire la passe, ça demandera un 6. Oh, j'aurais dû le repousser, je suis idiot.
trop idiot. Hop, allez, c'est parti. On se tente le move interdit. Appeler la spéciale Xebus dans le milieu. On va quand même essayer de l'allonger, comme ça au moins il ne me fera pas de. Il m'embêtera pas avec au tour prochain. Elle est bien encadrée là. On poursuit. Voilà, au moins sa tronçonneuse ne servira pas, son bonus a été absorbé. Allez, on sente le ramassage. 50% de chance de réussite. J'ai quand même une relance. Waouh. Allez, un petit 6. Un petit 6 pour le plaisir. Un 4. On aura essayé. Un 6. Le move interdit. C'est le 2-0. Oh, ça c'est pas beau. Oh, c'est pas beau du tout. Il a absorbé tout son indus. Bon, notre KO reste KO, si tu veux. Il va se faire expulser sa deuxième arme secrète. Il a plus de sorcier. J'ai marqué 2-0. On va garder cette disposition, elle me paraît plutôt bonne. Sauf qu'on va mettre notre set de mobilité ici. Et notre bon là. Voilà. On valide le placement. Ça va marcher à l'attaque. À la précédente attaque, donc on va essayer de refaire ça. Ah oui, mais non, c'est le tour 8. Oui, je suis idiot. J'aurais pas dû lui offrir de l'opportunité. Bon, c'est pas grave. On est des Saurus, on refuse pas la confrontation. Bon. Par contre, là, s'il arrive à passer 3 armures, ça pue pour moi. Il peut encore prendre l'avantage pour le prochain tour. Bon, il va tenter une passe au moins avec son coureur, donc je pense qu'il utilisera sa relance principalement pour ça. Il va peut-être même jouer cette action en premier. C'est possible que ça échoue. Hop, on va venir par ici. Un blitz, un blitz. Une petite relance. J'ai même pas regardé si on avait une fame. Et plus 2. Waouh. Waouh, c'est pas mal. Alors tu vas ramasser passer ou alors tu vas commencer par les bâches. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, mon salaud? Faut qu'il tente l'intrépidité sur lui. Il sera à moins 2, il passera à 1. La garde au centre est vraiment embêtante. Hein. Et là, il ne me la tombera pas avec sa tronçonneuse. Sa tronçonneuse a été remerciée. Et ouais, Mister Goblins à l'œil. Il laisse pas passer ce genre de choses. Il aime un peu trop l'argent, comme on a pu le voir en première mi-temps, mais il laisse pas passer ce genre de choses. Commence par le. Ok, c'est un échec. Bloque à un dé, il me repousse. Il va refaire tiquer l'intrépidité. Là, elle passe, bloque à 2 dés. Il me repousse juste. C'est très bien. Rien de sensationnel. S'il arrive à me dégager mon Saurus. Du. Oui, non, remarque, il y aura toujours la garde sur le dos. Hein. Plus 2 en force, moins 1, plus 1 en force. Je ferai passer à 4. Ça fait toujours à moins 2. Le fait d'avoir un deuxième big guy dans l'équipe, c'est coton à gérer quand même. Hein. Bon, on aura quand même passé une. J'arrive pas à voir à combien de temps on est de jeu là. Mais ça fait un petit moment quand même. Et la passe. Et c'est le passage au niveau pour son coureur. Ça fait plaisir. Au moins, il n'aura pas eu l'impression d'avoir perdu complètement son match. Ou sa première mi-temps, du moins. Moi, je suis content là de notre 1 de force prenne un niveau. Si on peut le passer en joueur sournois, ça pourrait être intéressant. Et après, si on a. Normalement, si on a un joueur du match qui a seulement bloc, on aura un passage au niveau. Allez, ramène-le en bas. Tu vas te couper des supports comme ça. Ouh, la relance, c'était couillu ça. L'armure à tenue, c'est parfait. Après, ça va être compliqué.
vraiment compliqué pour lui. Il le tente. Il tente le moins de dés. Fort heureusement, on a la stabilité. Bah, si on arrive à lui choper blocage, là, ça va devenir une vraie plaie au centre. Hein. Parfait, le crâne. Oh, pas d'armure. Mais bon, c'est pas grave. On limite un peu la casse. C'est la mi-temps. 2-0. Notre notre Jackie Tuning qui est resté dans les choux. Allez, c'est reparti. On refait la même. Notre Jackie Tuning qui est resté dans les choux. Deuxième phase de réveil. Mais bon, c'est pas trop grave. Le fait qu'il ait absorbé tout là, ses deux mercenaires et le sorcier, ça met du baume au cœur. Bon, comme pour l'attaque précédente, si jamais il y a quelques jets de dés qui se passent mal, ne serait-ce que le ramassage, il a personne pour défendre son porteur de balles, j'essaierai d'infiltrer au moins 3 skinks. Au moins 2 de façon agressive, et après un de chaque côté. En laissant des Saurus disponibles derrière, comme ça, s'il se focus sur la défense de la balle, il va amoindrir le centre du terrain et je pourrai prendre le contrôle. Si jamais il essaye de renforcer le centre du terrain, mes skinks auront le champ libre pour venir embêter son porteur de balle. Sauf si par exemple on a un événement et tous les joueurs finissent sonner, qu'ils me roulent dessus et on ne pourra plus rien faire, mais bon, pas trop grave. On a besoin d'un seul skink pour aller marquer et qui ramasse la balle, bien sûr. Mais bon. Faut que je garde ça quand même à l'esprit. On va garder une relance pour un ramassage éventuel de balles. Alors, c'est parti. On a le fame, faut espérer que ça se passe bien. Parfait. On a une relance d'équipe supplémentaire. On peut se permettre de jouer agressif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il se rapproche de moi. Il refait comme l'autre fois, il me l'écarte plus de la balle, donc il me vise dans le bon sens. Il réfléchit bien. Il va pouvoir venir apporter un support supplémentaire ici. Pour avoir un bloc plus facile sur mon Saurus à 5 de force. C'est très bien joué ça. Et en plus il met en place une défense. Ça c'est propre. C'est vraiment très propre. Dans ce cas là je viendrai peut-être essayer de blitzer sur une de ces zones de tacle latérales pour infiltrer les... Oh, l'intrépidité qui passe pas. Est-ce que tu relances ça? Non. Donc il me repousse. Ouais, par là c'est bon. L'intrépidité qui passe pas. Un crâne, un crâne. Ok. Est-ce que tu relances ça? Non. Bah, au moins, grâce à mon combo Croxy 5 de force, on lui occupe quand même 4 joueurs avec 2. Et ça, c'est un très gros avantage pour nous. Et rien ne nous empêchera de venir lui mettre une mandale ou deux pour le plaisir. Le plaisir du jeu. Il faut que je sèche lui, que je sèche lui, que je blitz celui. Si je sors ces trois là, il faut que je les couche tous les trois. C'est compliqué. Autrement... Je frappe lui. Ok, il vient se reculer. Il est sur la ligne des 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux pas aller le chercher. Mais bon, je vais pouvoir venir l'embêter. Je vais infiltrer beaucoup de skinks et avoir un jeu très agressif. Là, il a des blocs à moins 2 dés ici. Hein. Parfait. Est-ce que tu... Non, il relance pas. Bah, ça me va. Lui, il m'embêtera pas au moins. Alors, toi, tu blitzeras pas, c'est sûr. On va jouer sur la mobilité de nos Saurus. Bloc à 2D avec bloc. On commence toujours par ça. On poursuit. Là, il faudrait que je réussisse ce bloc là. Que je l'envoie comme ça. On va essayer ça d'abord. On le repousse juste. C'est dommage. Je vais le poursuivre. Voilà. On va venir lui occuper lui. On le repousse juste. On va poursuivre. Non, j'ai pas envie de le laisser libre lui. Clairement pas. On tente le bloc à 2D. Ça passe. C'était le bloc un peu risqué.
Je vais poursuivre. Allez, allez. Ah, bon, c'est bien. Il lui a trouvé le coin de la mâchoire, à venir lui chatouiller. Ouais. Là, on va venir l'embêter. La personne pour venir protéger sur ce couloir-là. Et sur ce couloir-là non plus. Hop là. On va faire... On va passer notre bon ici, parce que même s'il tombe, il tombera dans la case d'après. Et avec le bon, il pourra se déployer facilement dans sa zone à lui. Parfait, le minus a tiqué. Là, par contre, on va tenter des... On retente la même. Parfait, esquive qui passe. J'ai eu de la chance sur mes esquives. Là, j'ai les GD qui sont avec moi. J'ai mes deux glissades contrôlées qui sont en place. Voilà. Alors, faut pas qu'il le tombe. Bon, il le tombe, dommage. Il le laisse immobile en plus. Il peut venir marquer le deuxième. Il peut venir s'installer dans une cage au centre. Sa cage sera considérée comme marquée cependant. Bloque un dé ici. Il a utilisé son porteur de balles comme soutien. Et ça lui permettra de s'installer une cage avec les gens qui restent. Défense aérée. Des zones de tacle qui se touche mais qui superpose pas, comme ça mon skin, peu importe où il essaye de passer, il y aura comme du tacle. C'est bien fait, il joue bien, il joue bien. Et tant que nos armures ne passent pas sur les skinks, c'est parfait. Quoi, nos armures tout court ne passent pas. Bloc à 2D. Ça touche. Et un KO. Ado, hic hic! Surnommé le bégayeur. C'est dommage que j'ai plus mon 3 de force. Il me repousse, il se libère un blitzer de plus. C'est pas grave. Il peut se permettre de marquer. Hein. J'ai juste à stall si je gagne la confrontation physique, ou alors essayer de m'infiltrer avec mes skinks. Et il pourra éventuellement aller chercher l'égalisation, mais 3 touchdowns avec des nains en une mi-temps, c'est vraiment complexe. Est-ce qu'il va tenter les intrépidités? Il peut, ça sera que des 1D en plus. Moi ça me va. Ok, il les tente pas. Il faudrait que j'arrive à couper les supports et j'aurai un bloc à 1D sur lui. Il faudrait que j'arrive à bloquer les supports. Alors c'est parti. Déjà on va essayer de remarquer ces deux là. Je veux pas qu'ils se baladent dans la nature. Parfait. On va poursuivre. La ligne sur le côté m'embêtait. La ligne qui fasse une ligne verticale. Donc je préfère en horizontale. Comme ça je peux passer plus facilement sur l'autre côté. Je peux me libérer ce tacleur. Alors. Si je mets lui là. On va voir si on le sèche. On le sèche. On va poursuivre. C'est très bien. Oh, j'ai une mise au paquet. C'est couillu ça. C'est couillu et risqué. Mais ça me plaît. Mais ça me plaît. On va se la tenter après. Allez, on continue avec les blocs à 2D. Avec blocage, on poursuit. On fait que des sonnettes. Bon, les armures sont quand même beaucoup passées, on a fait beaucoup de sonnets. Donc ça, c'est pas de chance pour lui. Mais dans son malheur, il a quand même de la chance, il n'y a pas de blessure. Parce que les nains, même si... En fait, les nains sont réputés pour être solides parce qu'ils ont des armures qui sont solides. Mais si jamais les armures passent, ils sont comme les autres. Un GFI ou une esquive? Ah mais j'ai dit attaque, non. Le GFI sera moins risqué. Cerf-volant ou pas? Pas de cerf-volant. Le GFI passe. J'ai un bloc à 1D sur le porteur de... Ah, oh non, j'ai pas de bloc à 1D sur le porteur de balle. On va se le tenter dans le sens là, je préfère. Même si ça loupe, c'est pas grave. Ça sera pas trop gênant pour moi. Je relance quand même. Hein.
Ok, bon. J'ai une personne sur la balle. Il a ses proches qui sont marqués. Ouais, lui, il est marqué. Il ne pourra pas s'infiltrer trop loin dans mon territoire. Il a beaucoup de gens au sol, donc là, sa phase de base va être limitée. Et vu que j'ai une glissade contrôlée, s'il me le sèche pas, je peux toujours coller son porteur de balle. Donc en gros, il a un blitz pour essayer de... il faut qu'il arrive à me le mettre mal. À faire un pot ou un bloc. S'il fait pas ça... Oh bien. Il réfléchit à la glissade contrôlée. Comme ça, quand il vient me blitzer, il va être, même si c'est un push-push, je vais être obligé de m'écarter du porteur de balle. Ça, c'est très bien pensé. Bon, après, le bloc à 3D, ça fait mal. Hein. On se décale sur le côté. On a bon. L'armure n'est pas passée, donc on va quand même être un problème pour lui. Surtout qu'il a pas de tacle. C'est un blitzer. Il faudrait qu'il déplace son longue barbe d'une case pour marquer les deux personnes qui ont esquivé. Est-ce qu'il va y penser? Donc, s'il mettra un tacle sur les deux esquiveurs. Ok, s'écarte. Le seul problème là, c'est que le match commence à prendre vraiment beaucoup de temps. Et ça va être dommage pour moi. Ok, bon, au moins il aura pas eu de phase de bâche. C'est tout ce que je retiendrai. Support coupé. Bon, moi quand c'est facile, là au moins il n'y aura pas d'impact. Voilà, le double bloc. Donc j'ai pas frappé avec le croxy, j'aurais été embêté. On arrive à le coucher. On reste où on est. Encore une sonnette, il a vraiment de la chance sur cette blessure. Hein. Bloc à 1D, c'est un peu risqué quand même de faire un bloc à 1D ici. Un petit support, juste au cas où. Là, bloc à 2D. Et sèche-le s'il te plaît. Parfait. Je vais être moins chanceux sur le porteur de balle. On vient couper les supports avec notre esquive bon. Ça passe. On garde un pied sur la balle. C'est relançable, hein. Et sincèrement, je n'hésiterai pas une seule seconde. On poursuit. Voilà. Non, je veux pas ramasser. Je préfère esquiver et ramasser plus tard. Ok. C'est acceptable. Ça sèche, on poursuit, on va tenter une frappe quand même avec le Crox. Oh putain ça. Ouais, on a de la chance sur les armures mais les jets ne suivent pas pour le... Stupide. Là par contre c'est pas cool. Fin de tour. J'espère qu'il va se dépêcher pour ses tours quand même un petit peu. Parce que mine de rien j'ai lancé le match à 19h à peu près. IRL, et là il est 20h15, il reste quand même quelques tours. Hein. Parfait, la glissade contrôlée. On va continuer à blitzer ce blitzer là pour pas qu'il puisse se dégager facilement. On pourra faire une esquive, ramassage, course. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh non, bon, on pourra pas le faire.
Laisse-moi sur place, ouais. C'est plus smart à mon avis. 1, 2, 3. Ouais, je peux toujours faire mon... l'action que je souhaitais. Il faut juste qu'avec ce Soru, j'arrive à virer celui-là. Et si mon Croxigore se réveille au prochain tour, je viens le caler dans les zones de tacle là, histoire de vraiment les embêter. Et dans 2 tours, 1, 2, 3 tours. Avec de la chance, celui-là, bye bye. Ah oui, l'esquive, bien. Ça c'est un jeu que j'aime bien faire avec mes nains. Les gens s'y attendent pas. Et c'est comme le 2 d'agilité sur les trolls, sur les tueurs de trolls, mine de rien ils ont quand même 5 de mobilité, ou sur les blitzers bien sûr c'est plus facile. Moi je fais sur les tueurs de trolls vu que les gens ne les pensent pas. Je mets les tueurs de trolls en position de marquer. Et je fais une transmission avec une relance, ça fait comme 75% de chance de passer. Et là en fait on se retrouve avec des touchdowns éclairs hein, pour des nains, ça fait 3 tours. Qui peuvent surprendre. Beaucoup. Parce que le truc en fait c'est pas forcément marquer le touchdown mais c'est au moins s'envoler. Cette armure qui tient, parfait. Il va pouvoir venir se redéployer autour de la balle. Là il va me gêner par contre. Mais bon, j'ai ces 2 skins 2 disponibles. Un de force. Putain. Il tente l'esquive ramassage. Ça sera bien joué de sa part si jamais il y arrive. Ah, c'est échoué. Ça me va plutôt bien. Ok, on va couper les supports. On va venir faire un petit bloc. Parfait. On va poursuivre. Non, on peut pas passer là. Ok. Parfait, on arrive à l'allonger. On va poursuivre, on marque 4 joueurs avec une personne. Oh punaise, je suis vraiment un gland parfois. Hein. On va mettre le Croxy ici. Non, ça gênera pas. J'ai un blitz avec le Saurus là-bas si je le souhaite. On repousse, on repousse. Petit à petit. On va la voir. Moins de force. Je coupe le support ici. On se tente de bloquer un B. Et je marque les joueurs là-bas en plus. Parfait. On l'allonge. On reste où on est. Voilà. Et bah voilà, une petite blessure qui fait bien plaisir. Ouais, il peut se permettre de la prendre, hein. C'est pas trop gênant non plus pour lui. On va mettre une protection sur la balle qui n'est et qui ne soit pas marquée. On tente la course et l'échapper. Ah, l'esquive a tiqué, c'est dommage. On a fait double 1. Ouh, la blessure sur notre bon. Aucun effet, parfait. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On peut marquer notre troisième touchdown. Nos 2-5 de force sont l'un à côté de l'autre. Ils vont se tenir chaud pendant ces longues soirées d'hiver. Là, c'est du marqué. Ce qu'il devrait faire, en fait, c'est un blitz avec son blitzer sur mon 1 de force. Et venir se redéployer sur la balle ou venir marquer le ce skink. C'est la meilleure chose qu'il ait à faire. Je pense. Le tacle qui va fonctionner. On se rapproche de la balle. Je pense que dans les vestiaires, ils ont dû inverser les armures hein, entre les nains et les skinks. Le bloc à 3D. Il la bloque, il peut me le sécher. Il va pouvoir venir marquer mon glissade contrôlée. Encore plus smart. Il le marque pas. Je tenterai quand même le mouvement, c'est pas grave. Je vais repousser celui-là avec mon Saurus. Il tente l'esquive. Ouais, la queue préhensile, c'est difficile. Au moins, il sort des zones de tacle.
commencer par le bloc A2D ici. Non, par le bloc A2D en haut, parce que celui-là je veux vraiment l'écarter. On le repousse. On poursuit. Voilà, moi aussi j'ai une zone de tacle sur la balle. Ouais, c'est gérable. On repousse ici. Inexorablement. Il doit le sentir arriver là. Hop. On le repousse. On reste où on est. On le touche. On reste où on est. On relève notre glissade contrôlée. On relève notre 1 de force. On vient embêter. Déjà, on tente le ramassage. Qui est un échec. On tente la relance. C'est un échec. Mais bon, c'est pas grave. Il sera pas en position de marquer. Bon, a priori, de toute façon, quoi qu'il arrive, là, c'est une victoire. On n'a jamais vu un nain marquer 3 touchdowns. Quoi, deux, même 2 touchdowns en 3 tours. Hein, faut pas déconner non plus. Surtout que là, je l'emmerde. Ah. Ok, lui va devenir gênant. C'est l'électron libre à maîtriser. Bon, il continue les blocs. Il pousse. On descend. On va le faire faire des ronds, ça me paraît intéressant. Bloc à 1D ici. Après c'est du bloc à moins 2D. Là, il est obligé de frapper mon 1 de force, il va avoir un bloc à 2D. Il me repousse, puisqu'il va me repousser sur la balle. Ah, il arrive à me toucher quand même. L'armure tient, c'est parfait. On a notre passage au niveau quand même. Il tente le bloc à moins 2D, je suppose. Parce que là, il lui reste plus beaucoup d'options. Je veux pas finir dans la foule, les gars, m'abandonnez pas. Ouais. Parce que là, je tenterais plutôt une esquive avec le long barbe pour bien pitcher le skink à 2D. Ouh, l'intrépidité qui a tiqué. Ça, c'est bien. On reste stable. Il se libère un joueur. Il peut venir ici. Il aurait un bloc à 1D avec son long barbe. Non, il le fait pas. Très bien. Bon, après la passe que j'ai réussi à faire pour marquer le deuxième touchdown, je pense sincèrement qu'il va y avoir la foudre qui va nous tomber dessus là. Je sais pas si c'est à ce match ou au prochain. Ah, bad ball. Bad ball, Paul. Mais c'était bien tenté. Allez, le plaisir de surfer quelqu'un sans frénésie. Hop là. Et on reste où on est. Lui nous embêtera plus, on a un Saurus de dispo. Ouais, allez, on tente le bloc à 2D. C'est pas grave, ça n'a rien fait. On enlève lui. On va l'emmerder comme ça. Et on tente une petite course. Allez, c'est parti. T'as des moufles hein, Conca, Conca. Et son prénom Jean-Pierre Conque. Je n'ai plus de relance. Parfait. Et on joue pour le troisième touchdown. Non, vaut mieux frapper les... Voilà.
On le repousse un peu. Juste ici. On reste où on est, comme ça on marque. Et ce qu'on va essayer de faire avec notre Croxy. Bon. Ça va être ça. Juste histoire de l'embêter un peu. Bon, ça va. D'accord. T'as envie de rester au sol, tu restes au sol. Je vais pas t'embêter. Il peut venir me blitzer avec celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il peut me le marquer. Par contre, là, il faudrait qu'il tente juste une petite esquive. De rien du tout, hein. Surtout qu'il ait une relance. Mais bon, au moins je fais reculer la balle. J'ai des skins qui sont en position. Je peux toujours tenter le ramassage course. Et le troisième touchdown. Allez, voyons ce qu'il nous prépare. Je sais plus lequel qui a blessé le coureur. Je crois que c'est lui. Mais je suis pas. Ah non, à moins que ce soit. Notre bon, oh, je sais plus. Ok. Prends des blocs à 2D, c'est intéressant. S'il pouvait claquer sa relance là, louper son esquive, je marque un troisième petit touchdown. Ça me ferait fort du bien. Et on aura un passage de niveau sur Gilbert Conk, de son prénom. Hein, Gilbert? J'ai un autre Conca, Conca. C'est son frère, Jean. Jean Conc. Voilà. Je crois pas qu'il soit plus dans la famille. On va pas déconner non plus. Non, c'est bon. Il marque. Au prochain tour, je vais me prendre des mandales sur les skinks. On va éviter de. On tentera les esquives. Hein. J'ai pas envie de. D'avoir des blessures qui ne serviraient à rien pour moi. Il tente le double GFI. Ah oui, non, t'es une esquive à 50 là. Vaut mieux tenter l'esquive à 67, c'est plus facile. Surtout que t'aurais pas de GFI et t'as vu ce que je voulais dire. Hein. Par contre, s'il me blesse pas, je peux me relever et marquer. S'il ne passe pas l'armure. Ça, c'est smart. Ça, c'est très smart. Par contre, je coupe la diagonale. Hein. Tu m'en veux pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ouais, mon salaud. Je vais pas te faciliter la tâche non plus. Voilà, tu peux juste me marquer. Ah, ah merde. Oh, ça va. Je peux le relancer. Ah mince, le tacle, c'est pas cool. On va s'éloigner du bord. J'ai pas envie que la balle tombe dehors. L'armure ne passe pas. On va faire ça. Est-ce que j'aurai un... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, mais peut-être mieux que je tente le blitz avec le Saurus disponible, là, même s'il y a 2 GFI à faire. Que de tenter des esquives à répétition, même si j'ai une esquive naturelle. Parce que là, j'aurai 1, 2... Je sors... Je sors... 3 esquives, 2, 3. J'aurais 3 esquives. Les 1 et les 2 seraient des échecs. Là, j'aurais 2 GFI et que des échecs sur des 1. Ça me paraît une bonne idée. Ou alors juste, je tente ça. Bah voilà! Quand on fait l'idiot. On laisse les joueurs au sol. J'ai pas besoin de le relever. J'ai pas envie d'avoir de la confrontation physique. Le GFI, sinon c'est 3 esquives. Non. Je veux que t'ailles là. Non, je veux que tu fasses ça. Ça. Allez, 3 esquives, c'est un peu couillu quand même. Bon, on tente le passage de niveau sur notre 6 d'armure. On tente le passage de niveau. On va voir. Parfait. On a la relance qui sert à ça. Alors, s'il te plaît, souviens-toi de ton frère Jean. Pour ton frère. Please. Pour la fierté des conques. Il a pas de fierté, non mais j'hallucine. Quel connard. Ah là là. Son dernier tour, ça va être vite fait. Il a un bloc, quoi, il a double bloc ici. Et il pourra me le shooter avec les autres après s'il le souhaite. Et il aura un blitz sur lui.
Parfait, il me touche au premier coup, au moins on perd pas de temps. C'est moins de force. Ouais. Commotion, parfait, on cogne. Il prend un peu d'XP en plus, ça va lui faire plaisir. J'espère qu'il va pas tenter la faute, ça sera un peu dommage. Allez, et tu joues maintenant avec tes petits courteaux là. Courteaux lourdeaux. Donc pour l'instant, pour des matchs de récup, on a vraiment eu de la chance. Hein, que ce soit sur Kakaos, notre premier match de récup avec nos Saurus, je crois qu'on avait arraché l'égalité. Et là, ce petit, bon, c'est un petit match de récup, hein, on n'a pas non plus trop de perte de force. Et en plus, on a l'avantage de tomber sur une équipe qui est très faible XP. Non, là, sinon, là à mon avis, on a eu le plus de chance, c'est que son Indus ne lui a pas servi. Il n'y a pas eu d'équilibre. Il me sèche. Et le chaos, ouais, ça fallait s'y attendre. 1, 2, 3. Je peux encore marquer, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut peut-être éviter la première esquive si je blitz cela. Là, je peux pas blitzer là, il y a trop de support. Tente le ramassage. Ok, s'il veut. S'il fait ça, je tenterai peut-être un petit. Une petite frappe, je sais pas trop où, avec mon Crocs. Que l'avantage c'est que si je chope un de ces 8 d'armure avec la châtaigne, on pourra peut-être lui passer l'armure. Bien! Le petit point d'XP supplémentaire. Parfait. Il a un touchdown du passage au niveau. Par contre, écarte ton tueur de troll là. Parce que. Ça pue la merde! Non, j'ai pas de passage au niveau sur lui. C'est pas utile. Ouais, on va tenter ça là. Le petit blitz du Crocs là. Un peu énervé sur la fin. Parce qu'on a eu marre de se faire marcher sur les pieds par des nabos. Par contre, s'il tente une agression ou une faute, c'est un peu dommage. Ces fautes-là servent à rien. Bon, sauf quand on a, bien sûr qu'on est un peu là. On est un peu frustré, on a un peu les boules, tout ça. Mais bon. Allez. Clique. Tu cliques pas. C'est parti. Il clique. J'ai plus d'apothicaire. C'est un truc qui fait flipper par contre. Hein. Je pourrais me taper un autre. Ok, parfait. 3, 4, 5, 6. Hello there. Ah oui, merde, mais je suis au sol. J'en ai pas un qui est atteignable. Ouf. On a fait 2 pour le cerf-volant. On touche. On mandale. On poursuit. Et. PAM! La blessure! Sans la châtaigne. Double 10. Ah, ça fait plaisir. Un peu d'XP sur le Crocs en plus. On se fait une petite fin de tour. On n'a pas besoin de faire plus. Bon bah, une petite victoire de 0 pour nos salamandres. Nos salandres! Ouais, c'est bien les gars. Vous avez bien joué. On a fait un foutu 1. On a fait un foutu 6. Ça me va. Je prends. Et passage au niveau sur le 6 d'armure. Bon, il aura pas marqué son touchdown, mais il aura quand même fait joueur du match. Les jets de dés. Les salandres. Ah, au final, on a fait un peu plus d'échecs que de réussites. Je pense que ça a été sur les blessures. Parce qu'on a passé les armures. Mais peu de blessures. Les blocs ont été. 33 contre 34, c'est pareil. Il a eu l'avantage au bloc. Et par contre, il a eu un peu d'échec là. Je vais faire le passage de niveau et je vous rends l'antenne. Hop. Et je dépenserai les sous après. 2 passages de niveau. Alors, c'est parti. Mm-hmm. 6 d'armure.
On va lui mettre bon. On va faire des bons et les compétences suivantes, s'ils arrivent en vie jusqu'au suivant, ça sera des notre hand force. Bon bah lui on sait ce qu'on va lui mettre. Hein. Un petit joueur sournois. Que si l'armure de ce dernier réussit. On va s'assurer un peu les piétinements s'il le faut. Hop, 170. On va augmenter le club. Hop là. Il nous reste 70, on pourra se racheter un Saurus si jamais on a une blessure incapacitante. J'espère que ce match vous a plu. Vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire, mettre un pouce, le blabla habituel. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, à bientôt.